Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment récupérer la saisie semi-automatique sur Outlook suite à une migration. C'est parti! Quand on vient de migrer sa boîte sur Outlook, si on essaie d'envoyer un nouveau mail, comme on voit, on n'a plus la liste des saisies, les noms qui apparaissent. La saisie semi-automatique, cela est très pénalisant. On va voir qu'en quelques clics, on peut facilement récupérer cette liste. On va faire un clic droit exécuter, Windows R exécuter. On va taper la commande % user profile % slash appdata slash local slash Microsoft slash Outlook. On se retrouve dans un dossier ici. On va faire un copier-coller. Voilà, ça nous fait une copie, comme ça on a une sauvegarde de notre fichier. On rentre ensuite à l'intérieur de Roamcache. On va classer ici par nom et on va retrouver le stream autocomplète. Comme on peut voir, il y a une différence de taille entre celui-là et celui-là. Donc celui-là, c'est l'ancien. C'est pour ça qu'il est plus gros que le nouveau. Donc la manipulation est relativement simple. Il suffit ici, comme on peut voir, il vient d'être modifié. Donc il faut qu'on affecte ce numéro à ce fichier-là pour récupérer notre saisie semi-automatique. Il suffit de faire un clic long pour pouvoir copier le texte. On fait un CTRL-C. On en profite pour le renommer, par exemple en Hold. Ici, on modifie le nom et on fait un CTRL-V pour avoir exactement le même nom. Ensuite, il suffit de relancer Outlook. Et là, comme on peut voir, on récupère notre liste de saisie semi-automatique. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.